Salut Lilis, ça va bien? Sois la bienvenue. Ça c'est une dédicace pour Jean-Christophe et toi. Yes. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas dans leur pays, en fait, hein, une pensée spéciale pour vous. Soyez les bienvenus. C'est bon. Mon excellent beau-frère, Jésus-Christ, sois le bienvenu. Alice te traduira ce que dit ce morceau. Hein? Serlo, Dorandem. Hein? Spéciale dédicace à tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas dans leur pays en ce moment. Soyez les bienvenus à tous ceux qui nous rejoignent. On va parler de Covid-19 et vous êtes au bon endroit si vous venez d'arriver. Alors, vous connaissez les règles, hein? Alors, partagez la vidéo, ce serait sympa. On me dit toujours qu'il faut le dire, donc je m'habitue maintenant à le dire. Merci à Alice, hein, qui vient de commencer une séance vidéo de la vidéo en cours. Merci infiniment à vous qui avez trouvé du temps pour venir le passer avec nous. Soyez les bienvenus si vous nous prenez en cours. On va parler des chiffres du Covid-19 qui n'arrêtent pas de grimper et de ce qu'ils pourraient signifier. Et on parlera aussi des questions du pic, parce que le pic qui a été annoncé, en fait, l'a été et avait servi, en fait, d'élément de décision pour déconfiner. Et j'y reviendrai, puisque la question même de confinement, déconfinement, est une question elle-même très fortement polémique. Hein. On est 14 en ce moment sur le live. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut intéresser des gens ou que ça peut susciter un débat ou que vous avez discuté de ces questions avec quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à nous taguer, à les taguer. Et puis, voilà, le but, c'est vraiment qu'il y ait de la discussion et de l'interactivité. Alors, la règle ici donc, sur notre live est extrêmement simple, c'est que premièrement, on commence donc par décerner des bons points et des mauvais points. Et maintenant, vous êtes familier de la règle. Alors, les bons points, c'est quoi? C'est que, alors, il y a deux personnes que je veux saluer aujourd'hui. L'une est en France et l'autre est aux États-Unis. Donc, en France, c'est Dupont-Moretti, hein, Maître Dupont-Moretti, qui est aussi connu comme sous le surnom de Acquittator, donc qui est vraiment l'avocat pénaliste le plus connu en France. Qui vient d'être nommé à la justice. Le dernier remaniement avec Castex, qui arrive en fait comme Premier ministre, nous a amené Dupont-Moretti à la justice. Je voulais juste décrypter rapidement ce que ça signifie de mon point de vue, et puis noter que Dupont-Moretti, qui d'ailleurs est un fort en gueule, hein, vous savez ce que c'est, hein, Dupont-Moretti, c'est une force de la nature déjà. C'est quelqu'un qui a un franc-parler qui est notoirement connu, qui n'a pas peur d'asséner ses convictions, souvent d'ailleurs avec force. C'est lui qui arrive au ministère de la Justice.
mais il arrive dans un contexte un peu particulier, celui de l'affaire des écoutes, qui avait permis en fait d'entrer en voie de procédure, de mettre en examen l'ancien président Sarkozy. Et récemment, il y a eu donc ce scandale sur le fait qu'il y aurait eu peut-être plus de gens qui auraient été écoutés par le parquet. Lui, il arrive donc alors qu'il avait déclaré à Urbi et Orbi qu'il avait porté plainte. Qu'est-ce que cette plainte-là va apporter avec lui qui arrive à la justice comme effectivement jugé parti? C'est vrai que le pouvoir de la justice, pouvoir judiciaire, n'est pas géré par le ministre de la Justice en France, mais c'est lui qui gère quand même le personnel judiciaire, et puis il y a quand même le rattachement du parquet qui fait quand même que le lien n'est pas neutre. Donc Dupond-Moretti qui arrive, qu'est-ce que ça signifie? En tout cas pour moi c'est de très bonnes nouvelles, parce qu'il a toujours démontré beaucoup d'engagement pour les droits de l'homme, pour la défense des opprimés, et puis plus récemment c'est quelqu'un quand même qui est très bien implanté en Afrique et qui a ouvert des cabinets, je pense au Maroc, au Congo, au Cameroun, voilà, donc il est très implanté sur le continent africain. Et puis pour terminer, c'est pas le moins important, il est l'époux d'une chanteuse que j'apprécie particulièrement, canadienne de son état, Isabelle Boulay. Voilà. Ceci étant dit, donc je voulais le féliciter et lui souhaiter bonne arrivée à ce département-là qui en a tant besoin. La seconde chose, je voulais aussi saluer le fait que Donald Trump sort les États-Unis de l'OMS. Pour moi, je lui tire un chapeau parce que l'OMS a fait tout et n'importe quoi. C'est une opinion, hein. Bien entendu, ce n'est pas un jugement technique, c'est l'opinion simplement d'un citoyen qui estime que l'OMS, en faisant tout et son contraire, a fait un peu n'importe quoi. Et je dois dire tout de suite à sa décharge, pour ne pas être malhonnête intellectuellement, qu'au départ, on en savait très peu sur cette maladie-là. C'est la raison pour laquelle je trouve un peu déplorable qu'ils aient pris des décisions, notamment celle de suspendre les essais en cours sur l'hydroxychloroquine, quand il y a eu l'affaire du The Lancet, le fait d'avoir mis en avant le remdesivir comme finalement la panacée, le remède miracle, le fait d'avoir, sur instruction de Bill Gates, déclaré le Covid-19 comme pandémie, et seulement après que Bill Gates ait fait des donations assez records, 93 millions de dollars, voilà, tout ça, alors sans oublier son indulgence, pour ne pas dire sa complaisance vis-à-vis de la Chine, qui est quand même le lieu d'où est partie la pandémie. Pour toutes ces raisons-là, je pense en fait que Donald Trump a eu raison de partir. Au-delà, il y a une espèce de souverainisme dans la posture de Donald Trump. Je rappelle à ceux qui nous suivent que demain, justement, on parlera en fait du candidat Donald Trump, mais à l'aune de l'action du président Donald Trump. Parce qu'il y a une espèce de dédoublement fonctionnel chez Donald Trump en ce moment. Il est à la fois le président des États-Unis et le candidat sortant. Ce qui est un privilège, mais aussi un piège. Un piège, mais on en reparlera demain plus amplement. Donald Trump est un ennemi du système, dans le sens état profond. Hein. C'est vraiment la personne qui lutte âprement contre l'état profond et qui d'ailleurs l'a payé d'un grand prix, de mon point de vue. Voilà, donc soyez les bienvenus pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Abdoulaye Nyambélé, Assitan Fofana, et je vois qu'il y a quatre autres personnes dont je n'ai pas encore vu le nom. Voilà, soyez les bienvenus à tous. Merci à Jean-Christophe pour le partage du live. Je vois que tu as commencé une séance vidéo. Merci infiniment. N'hésitez pas à taguer les gens dont vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par, par nos discussions. N'hésitez pas à les taguer. Salut Pi, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Alors, ensuite il y a les bonnets d'âne. Évidemment, vous savez comment ça se passe. Hein. Quand on donne des bons points, on en donne aussi des mauvais. Et alors, je vous le donne en mille. À votre avis, qui a sur la scène politique sénégalaise a le plus mérité des mauvais points cette semaine? Moi, j'en ai deux en repérage, j'en ai même un troisième, mais j'hésitais parce que
Mais je vous le dirai. Alors, mettez-moi en commentaire, pour ceux d'entre vous qui ont regardé, qui sont des observateurs attentifs de la scène politique sénégalaise, dites-moi, de votre point de vue, qui a mérité des mauvais points cette semaine. Alors, évidemment, number one, et je pense qu'on sera d'accord, number one, c'est Mustapha Cissélo. Mustapha Cissélo, pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, Mustapha Cissélo est le président de l'Assemblée nationale et l'ancien vice-président à l'Assemblée nationale, puisqu'il s'est fait dégager de son groupe parlementaire, de l'APR en fait, le groupe parlementaire de Benno Bokayakar, donc qui est le groupe présidentiel. Bon, il s'est fait éjecter, mais il s'est aussi fait éjecter du parti politique. Ah oui, Alioune Badarabé, c'est mon deuxième point d'ailleurs. Merci beaucoup Alioune Badarabé, sois le bienvenu. Effectivement, c'est mon deuxième point. Alors, ce que je fais là en ce moment, j'ai un lien Zoom que je peux vous partager dans les commentaires. Et ceux qui veulent participer, en fait, mettre dans les commentaires qui veulent participer, ils n'ont qu'à cliquer sur le lien Zoom et ils arriveront sur mon interface et on pourra échanger en vidéo. Alors, par contre, c'est important que vous ayez une vidéo et que vous soyez dans un endroit où ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Ok, donc je vous partage le lien de la vidéo de sorte à ce que ceux qui veulent participer à ce live-là puissent le faire sans trop de soucis. D'accord? Donc le lien du live pour participer en live, vous pouvez simplement cliquer sur ce lien-là. Ok, je vous le partage là. Attention. Tac. Voilà, il faut juste enlever ça. Voilà. Donc, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est cliquer sur le lien si vous souhaitez participer, et puis vous serez à l'antenne directement. D'accord? Voilà. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. Ceux qui veulent intervenir, j'essaie de rajouter, en fait, le commentaire vidéo. Et l'intérêt du commentaire vidéo, en fait, c'est de vous donner la parole, c'est de vous permettre, en fait, en live, de poser votre question et de pouvoir avoir cet échange-là. Plus interactif, puisque évidemment sans interaction ce que nous faisons a peu d'intérêt. Voilà, et ensuite je vois des gens très brillants. Alioune Badarabé, dont on m'a dit en fait que c'était un grand économiste, c'est mon ami Ibrahim Amalitoun qui m'en a parlé. Je vois Jean-Christophe Château sur les questions de business et de développement des affaires qui peut nous apporter ses lumières. Pour lui, l'OPI qui est très orienté à la fois gestion, affaires internationales, mais aussi tout ce qui est BTP, donc, et puis développement, hein, de manière plus globale. Alice, qui est dans l'hôtellerie. Voilà, donc je prends un peu de temps pour parler de vous, parce qu'en réalité, les vraies stars de ce live-là, c'est vous. OK? Parfait. Donc, Cicelo, donc s'est fait éjecter. Mais pourquoi il s'est fait éjecter, Cicelo? Alors, il y a eu quelques audios qui ont fuité. Ils se susurrent qu'ils auraient fuité, mais mon point de vue, c'est qu'ils n'ont pas été fuités. Ils ont été, de manière délibérée, diffusés sur la place publique. Et donc, dans cette affaire-là, pour moi, il y a deux choses. Autant les propos de l'homme sont absolument scandaleux, et il faut les condamner, mais sans reproche et sans ménagement. Je considère que les propos de Mustapha Cissélo sont abjects. Ils sont abjects, ils sont critiquables. Donc, là-dessus, il n'y a absolument aucune discussion possible. Maintenant, sachant qu'il les a échangés dans un cadre privé, et je crois que dans ce cadre privé-là, ils auraient un retentissement moins important s'ils étaient restés dans le cadre privé. Je rappelle que dans la culture sénégalaise, ce n'est pas ma culture, hein, moi je suis Diola, et chez nous, on n'insulte pas de mère. Mais dans la culture sénégalaise, moi qui ai grandi à Dakar et qui ai grandi avec des gens justement pour lesquels, la question de, et moi-même j'ai pu à l'école le constater, au lycée Lamine Gueye, etc., la question des injures, notamment de mère,
n'est qu'une question finalement sociologique. Elle n'est pas si grave que ça. Qu'on se comprenne bien, je ne parle pas de mon opinion au sujet des injures. Je dis que dans la société sénégalaise, les injures ne sont pas la catastrophe qu'on essaie de dépeindre aujourd'hui, qui justifierait en fait qu'on puisse tuer, entre guillemets, l'homme Moustapha Cissélo. Ceci étant dit, je veux rappeler que ce qu'il a dit est grave. Mais ce n'est pas le plus grave à mon avis. Le plus grave, ce n'est ni ce qu'il a dit, donc les injures qui sont assez vertes à mon avis, hein, un peu dures. Ce n'est ni le fait que ça a été diffusé, que de privé elle soit devenue publique par la force des choses. C'est par contre les sujets qu'il y manipule. Il parle de scandales qui, à mon avis, n'importe lequel, s'ils sont avérés, mériteraient que ces personnes-là démissionnent. N'importe lequel. Il parle d'attributions de dons qui ont été commercialisés, et c'est du détournement d'objectifs, des dons qui étaient censés servir ou aux paysans ou aux nécessiteux dans le cadre du coronavirus, ont été monétisés, ont été vendus et ont servi à un enrichissement personnel. Je trouve curieux que ces gens-là n'aient pas été appelés. Je note aussi que Moustapha Cissélo, une autre chose qui me semble importante, c'est qu'il y a une espèce de disparité dans le traitement. D'un côté, il y a eu Abdou Karim Gueye Krumkhark et tous les insulteurs, finalement, qui se sont illustrés de manière déplorable dans l'injure facile et dans le fait de brocarder la première institution de ce pays, les apéristes nous le rappellent à suffisance. Il ne s'est rien passé. N'importe quel opposant insultant le président avec la même verdeur serait appelé. Et là, il ne se passe rien, il n'y a rien. On n'appelle pas Moustapha Cissélo. Ce qu'il a dit est à la limite, ok, on le règle dans un cadre privé, parce que je rappelle qu'un parti politique est une association de type privé. Donc on le règle dans un cadre privé et on lui fait perdre un strapontin en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, alors que lui-même avait déclaré qu'il était prêt à démissionner. Mais bon, passons. Au-delà de ces questions disciplinaires, aucune conséquence juridique ou judiciaire. Aucune. Donc c'est quand même curieux, et je trouve que c'est un questionnement que l'on peut avoir au sujet de cette affaire-là de Cissélo. Ceci étant dit, le deuxième bonnet d'âne que je voulais décerner, à la suite d'Aline Badarabé, c'est bien Abdou Karim Sall. Alors, Abdou Karim Sall s'est illustré aussi d'une manière très particulière. Abdou Karim Sall est le ministre de l'Environnement. Et donc, il a sous sa responsabilité la direction générale des parcs nationaux. Et dans les parcs nationaux, il a donc la gestion, en fait, de la faune. Et dans cette faune-là, il y a une faune qui est rare, et que d'ailleurs l'État a acquis à grands frais. Il se dit, je ne sais pas si c'est confirmé, mais vous pouvez me dire, hein, commenter pour m'indiquer. Si vous avez les chiffres, mais il se dit que chacun de ces oryx aurait coûté 50 millions, en raison du fait que c'est une espèce protégée, en voie de disparition, etc. Et donc, il aurait, lui, dans un cadre privé, en tant que ministre, hein, pris des oryx pour les amener dans une organisation, dans une structure qui est une structure privée, donc qui lui appartient, et en faisant une convention, finalement, avec son ministère. Et vous savez, on a eu un débat avec mon ami Ibrahima Malik Thioune, que vous avez été nombreux à suivre, et d'ailleurs à beaucoup partager, dans lequel on disait en fait que, de notre point de vue, le tueur d'intégrité, c'est le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts est un tueur d'intégrité. Et le problème, en fait, c'est qu'en termes de leadership public, en termes de gestion des affaires publiques, la question du conflit d'intérêts, et de manière plus générale, la question des liens d'intérêts. Parce que je rappelle que les liens d'intérêts ne sont pas critiquables, ce qui est critiquable, c'est le conflit d'intérêts. Et le conflit d'intérêts l'est sous les expresses conditions qu'il ne soit pas déclaré, et que, voilà, parce qu'à partir du moment où il est déclaré, qu'il est connu, à mon avis, il est moins grave. Mais tant qu'il n'y a pas de loi qui l'interdise de manière claire, une loi qui moralise un peu la vie publique et qui défende ces choses-là, parce que je rappelle que quand même pendant longtemps, ces choses-là étaient normales et qu'aujourd'hui, elles sont de moins en moins tolérées
elles sont de plus en plus critiquées, brocardées, et à juste titre, c'est mon point de vue. Alors, il y a un conflit d'intérêts manifeste parce qu'ils s'auto-prêtent des ressources en fait, qui appartiennent à la collectivité et ils se les prêtent dans un cadre privé, dans une structure que lui-même gère et dont les retombées financières de la présence de ces ORIX, il est le seul à pouvoir en bénéficier. Donc il y a quelque chose là de, ma foi, de faisandé. Et alors, pour être tout à fait exact, j'ai lu, le communiqué que ces services ont sorti, justement pour essayer de le blanchir, en rappelant que, en réalité, tout a été fait dans les règles de l'art, et que cette collaboration, cette convention qui existe entre un parc national et des privés est une convention normale. Il ne parle pas du décès de deux de ces oryx durant le transport. J'ai entendu hier Maître Oumarioum prenant la défense de son collègue, hein, puisqu'il est aussi ministre, prenant la défense de son collègue, comment il s'appelle, Abdoulkarim Sall, rappeler qu'il n'y avait rien à reprocher à cet homme-là et que tout avait été fait dans les règles de l'art. De mon point de vue, c'est quelque chose d'absolument scandaleux et qu'il ne faut pas tolérer. Et mon troisième point maintenant, c'est celui que j'hésitais à rajouter. Et c'est la question de Babacar Ngom, le DG de Sedima. Babacar Ngom, c'est pas le DG, c'est le président du groupe Sedima. Et il a fait une conférence de presse aujourd'hui. Et j'hésitais en fait, pourquoi ? Parce que je pense en fait qu'il faut faire attention dans ces histoires-là, des histoires foncières, entre le compassionnel, parce qu'il y a beaucoup de compassion vis-à-vis de celles qui se disent victimes, de la partie en fait qui se dit victime de quelqu'un de fort. Parce que, et pourquoi ? Où va se nicher la compassion ? Quand on voit un milliardaire, même si je crois qu'il ne doit sa bonne fortune que à son abnégation, à son travail acharné, à ses options fortes qu'il a faites, notamment en termes d'investissement, et puis aussi à sa capacité réelle à s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Je pense que c'est à ça qu'il doit sa fortune. Et que c'est quelque chose de méritoire. Vraiment, je ne veux pas qu'on lui fasse le procès de le méchant riche ou le méchant milliardaire, parce que ce serait un procès injuste. Ceci étant dit, le président de Sedima a fait quand même quelques options qui sont un peu particulières. Avant même de parler de la conférence de presse dans laquelle il donne son point de vue, parce qu'il l'appelle comme ça, donne son point de vue sur le cas qui l'oppose aux populations de Ndengler et de Dilar, puisque c'est les deux villages en fait dont il est question ici. Il donne son point de vue. Au-delà de cette conférence-là, il y a deux choses moi qui me semblent un peu bizarres. Le premier, c'est le Conseil des investisseurs sénégalais qu'il a créé et qui est une très bonne chose. Il y a une deuxième bonne chose qu'il a faite, c'est qu'il a mis à la tête du Conseil des investisseurs quelqu'un de brillantissime, le docteur Abdulrahman Diouf, pour lequel j'ai le plus grand respect pour les Lumières, un homme brillant, talentueux, d'une grande qualité, et qui, à mon avis, est la personne qu'il faut, à cause de sa connaissance des règles du commerce international et de sa présence, de sa double implantation géographique, puisqu'il a bossé, je crois, pour l'OMC, mais il a aussi une sensibilité aux questions politiques, notamment à Réoumi, où il a été le directeur de campagne de Idrissa Seck. Ceci étant dit, ce regroupement-là d'investisseurs a eu une position un peu particulière à un moment donné de son histoire. Dans l'affaire Akili, parce qu'avant l'affaire Akili, le Conseil des investisseurs n'avait jamais été aussi exposé. On avait toujours considéré, ils avaient fait de bonnes choses, hein, notamment des formations, notamment du mentorat, pour les entrepreneurs de la sous-région, et il faisait quand même, un travail de lobbying pour améliorer la législation au profit des entrepreneurs sénégalais, pour essayer de susciter une espèce de, pour générer des capitaines d'industrie et des champions nationaux. Et ça, c'est méritoire.
C'est méritoire, mais bon, qu'est-ce qui fait la différence entre un syndicat, simplement un syndicat des patrons, un syndicat patronal, et le conseil des investisseurs? C'est l'engagement qu'ils avaient aux côtés des entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs de taille intermédiaire qui viennent de débuter, les primo-entrepreneurs, pour les aider à passer à l'échelle. Je trouvais que ça, c'était intelligent, c'était bien vu. Maintenant, pour terminer sur le sujet, ce qui m'a semblé bizarre, c'est que dans l'affaire Akili, le conseil des investisseurs a été extrêmement critiqué. Extrêmement critiqué. Il a été critiqué par l'opinion publique en prenant fait et cause pour Akili. Mais en prenant fait et cause pour Akili, ils avaient une posture qui était conforme à leur déclaration d'intention. C'est de soutenir les entrepreneurs sénégalais. Le problème, en fait, et je pense que c'est ce qui leur a été reproché, c'est le caractère, comment on va dire, lésionnaire du contrat de Akili, qui donne des prérogatives extrêmement importantes à Akili au détriment de la Sénélec. Et ça, par contre, c'était difficilement pardonnable, spécialement quand la valeur ajoutée de l'entreprise n'était pas perceptible ni socialement, ni économiquement, puisqu'ils achetaient auprès du même fournisseur, ni socialement parce qu'ils utilisaient le personnel de Sénélec, et pour d'autres raisons qui ont plus trait à la, comment on va dire, au fait que elle n'est pas, voilà, au fait que le contrat n'était pas conforme à l'état de l'art et puis au patriotisme, en fait, qui est ce qu'on devrait faire en sorte faire pour aider une entreprise nationale comme Sénélec et lui permettre de tirer son épingle du jeu. Donc, ceci étant dit, et Babacar Ngom, justement, est le président aussi de ce conseil des investisseurs-là. Donc, ils avaient fait écho, et ça a occasionné d'ailleurs beaucoup de démissions. Madiame Baldiagne a démissionné à cette période-là, et puis il y en a d'autres hein, qui ont démissionné, justement parce qu'ils estimaient que le communiqué par lequel le conseil des investisseurs prenait fait et cause pour Aquilée n'avait pas été, ma foi, conçu de manière concertée et participative. Voilà. Et donc, d'ailleurs, je pense aujourd'hui dans la conférence de presse, il en a reparlé. Donc, et depuis donc quelque temps, Babacar Ngom est par la force des choses sous les feux de la rampe. Et je voulais quand même dire que il dit quelque chose qui est un peu particulier parce que j'ai écouté sa conférence de presse. Et la première chose qu'il dit lors de cette conférence de presse, c'est qu'il n'a pas fait de conférence de presse. Bon, alors c'est curieux cette affaire. Comment il n'a pas fait de conférence de presse? Et vous m'excuserez parce que j'avais pas prévu de parler si longtemps de cette affaire de Babacar Ngom. Mais le problème en fait, c'est que c'est l'actualité du moment et il faut donc se prononcer dessus. Le problème, en fait, c'est qu'il dit, ce n'est pas une conférence de presse, c'est une prise de parole. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, 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 monsieur, c'est une conférence de presse. C'est une conférence de presse. Ne vous en déplaise. Et d'ailleurs, mais moi, je pense que c'est un argument pour affaiblir le communiqué que le CORED a eu. Parce que le CORED, qui est l'instance qui supervise l'éthique et la discipline, la déontologie et la discipline du métier de journaliste, s'est fendu d'un communiqué dans lequel il rappelle que Babacar Ngom fait quelque chose de curieux, qui ne s'est pas beaucoup vu. Il fait une conférence de presse et il choisit ses journalistes. Alors, ce n'est pas la même chose. Que les invitations soient envoyées à quelques journalistes est une chose, mais qu'on interdise, qu'on défende aux journalistes de venir à une conférence de presse, ça ne s'est pas beaucoup vu. Ça, c'est la première chose, et donc ça, c'était assez curieux. Et donc, je pense qu'il parle de conférence de presse, que ce n'est pas une conférence de presse, justement pour dégager, pour écarter l'argument qu'il aurait choisi une presse qui lui est favorable. Bon, je vous laisse délibérer sur la valeur de cet argument. La deuxième chose, c'est qu'il dit que dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à ces gens qui réclament justement les terres qu'il occupe aujourd'hui, il dit beaucoup de choses qui sont un peu particulières. Il dit en fait que il est attaqué lui personnellement, alors que c'est Sédima qui est le propriétaire du titre foncier de Ndengler. Et que le titre foncier 2247 de Mbour, en fait, est la propriété en fait de Sédima. Mais là aussi, ce n'est pas très
pertinent, parce que dans ce cas, on ne comprend pas très bien pourquoi ce n'est pas la directrice générale de Sedima, qui est propriétaire du terrain, qui organise cette conférence de presse. Pourquoi c'est lui qui répond, même si on peut comprendre que, en tant que président, il est voix au chapitre. Mais il fait une conférence de presse qui est un temps un peu bizarre, un temps curieux, qui mixe à la fois du marketing, donc avec de la publicité. Hein. J'ai été un peu étonné de ça, parce qu'une conférence de presse, ce n'est pas quand même un temps de publicité. Et les chaînes, d'ailleurs, sont les premières à vous le rapporter, à vous dire que si dans la conférence de presse, vous faites de la publicité, vous devez payer. Alors, j'ai une grande question. Est-ce que les journalistes qui étaient là et qui siégeaient dans le panel ont été payés? Parce que s'ils ont été payés, ils doivent le dire. Parce que ça tient du public reportage et plus du tout de la conférence de presse qui procède du service public de traitement de l'information. S'ils ont été payés, on est dans un cadre privé, publicitaire, dans lequel Sedima fait de la publicité à destination de qui elle veut. Alors cette question-là, elle n'a pas été réglée. Et c'est une question qui a été posée par le COREP et qui mérite d'être posée. Donc je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir dans un autre live pour ne pas perdre trop de temps sur cette question-là. Et donc j'hésitais à mettre Babacar Gomme comme bonnet d'âne parce que sur cette question-là, j'estime que même si la pertinence de sa possession, c'est-à-dire le caractère légal de sa possession est avéré, il y a quelque chose dans la gestion de crise qui est un peu, ma foi, maladroit et qui procède, enfin, quelque chose de curieux. Hein, on va dire ça le temps que j'en sache un peu plus. Voilà. Et une conférence de presse, c'est une conférence de presse au cours de laquelle il y a de la prise de parole et il y a de l'interaction avec les journalistes. Voilà. Ceci étant dit, le but de ce live, en fait, c'était de parler du Covid et de valider avec vous, enfin de nous entendre sur ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on n'a pas déconfiné, parce qu'en réalité, alors je suis toujours partagé sur cette question du déconfinement, parce que en réalité, on déconfine quand on avait confiné. Or, le problème, en fait, c'est qu'il n'y a jamais eu de confinement à proprement parler. Il n'y a jamais eu de confinement. Voilà, en tout cas au Sénégal, hein. Il y a eu des mesures d'austérité, la fermeture des écoles notamment. Le 14 mars 2020, on a fermé les écoles avec 3 cas confirmés ce jour-là et 26 cas à l'époque si on cumule tous les cas. Le 23 mars, l'état d'urgence est décrété. Il y a 9 cas confirmés ce jour-là et au global, on en avait 79 de cas. Donc on est passé de 26 à 79. Vous voyez donc que là, on était sur des cadences plutôt lentes. Le 4 avril, le président a demandé et a obtenu la prorogation de l'état d'urgence. On avait 12 cas confirmés, mais un total de 219 cas sur le territoire national. Et puis le 19 avril, l'État a fait voter, en tout cas a pris la décision, de rendre obligatoire le port du masque. On avait 17 cas ce jour-là, 367 de façon globale sur tout le territoire national, avec une obligation de port du masque qui était, comment on va dire, sélective, c'est-à-dire que vous aviez une interdiction de les porter dans les services publics, dans les commerces et dans les transports. Vous aviez une obligation de les porter. Et le 3 mai, il y a eu une prorogation de l'état d'urgence. Donc voilà, il y a eu des mesures assez particulières. Et puis, assez bizarrement, le 7 ou le 8 juin, ils ont décidé de déconfiner. Ils ont refait partir les enfants à l'école, etc. Et donc, on avait fait un live dessus en disant la chose suivante, est-ce que Macky s'en lave les mains, finalement? Est-ce que, finalement, le général nous lâche en rase campagne et il s'en va? Et mon problème, d'ailleurs, c'était que nous ne faisons pas partie des pays où le confinement avait été le plus sévère. Non, non, non. Nous sommes d'ailleurs les pays où le confinement a été le moins sévère possible. Je rappelle que les pays qui ont eu les confinements les plus sévères, c'était l'Algérie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, Madagascar, le Botswana et l'Afrique du Sud, avec une petite particularité sur le Burkina Faso et le Rwanda.
Voilà. Mais globalement, les confinements les plus sévères, c'était dans ces zones-là. Le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Somalie, la République centrafricaine, on n'était pas finalement les plus difficiles, hein. On n'était pas ceux qui avaient les mesures de confinement les plus difficiles. Donc, ceci étant dit, sur cette question-là, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on se rappelle que depuis que l'État a pris la décision de déconfiner, les chiffres caracolent. Les chiffres sont... Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a 6500 cas contacts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. 6500 cas contacts. On a 1000 cas qui sont issus de la contamination communautaire. Et on a 182 cas importés. Et je voulais d'ailleurs, et c'est pour ça que je voulais faire ce live justement, pour dire que veulent dire les chiffres. 182 cas importés, ça veut dire, en fait, mes amis, que l'aéroport, on dit que les frontières aériennes vont être réouvertes. C'est faux. Elles l'ont déjà été il y a près d'un mois qu'elles sont ouvertes, les frontières aériennes. Et c'est ça qui est curieux. C'est quoi un cas importé? Un cas importé, c'est un cas dont la maladie, dont l'infection a eu lieu dans un autre territoire et qui l'a amené chez nous. Comment est-ce qu'il est possible d'avoir 182 cas importés? Je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois de mai, nous n'avions plus de cas importés. Pourquoi? Parce que les derniers cas importés sont sortis en fait de la cohorte des soit guéris, soit décédés, parce que c'est les deux manières dont on sort hein, finalement du Covid. Soit parce qu'on est guéri, soit parce qu'on est décédé, il n'y avait plus de cas importés. Et là, on assiste à la recrudescence des cas importés. Et quand je parle de seconde vague, et quand je le pose de façon interrogative, je pose la question à dessein. Vous ne pouvez pas ouvrir les frontières, arrêter toutes les restrictions et les mesures d'austérité qu'il y avait en termes de gestion du Covid. Et de protection, donc des mesures barrières, vous ne pouvez pas, dans le même temps, autoriser le transport interurbain, vous ne pouvez pas réouvrir les écoles et les lieux de culte, même si l'Église sénégalaise a refusé de réouvrir ses portes, le culte dans les lieux de culte musulmans a repris à la régulière. Et tous ces facteurs-là, arrive alors que nous ne savons pas aujourd'hui quel est le ratio de transmissibilité de la maladie. Ce ratio n'est pas connu. Il n'est pas connu et c'est quelque chose d'assez curieux. Je trouve très curieux qu'à aucun moment on ne parle de cette question-là de la transmission. Je dois aussi rappeler que la courbe est restée de mars à avril et d'ailleurs, nous avons été célébrés partout. Tout le monde a dit... C'est absolument génial ce qui arrive au Sénégal. Nous ne comprenons pas comment ils arrivent à juguler cette épidémie-là et arriver à la maintenir à des niveaux aussi bas de contagion. C'est ça la question. Et ils posent la question, et puis pendant qu'ils posent la question, ils posent cette question-là, et puis donc, de mars jusqu'au... Parce que ça a commencé, la courbe a commencé à changer de. On a doublé en fait les cas à partir de du le 12 avril. Le 12 avril, on avait 280 cas. Le 12 avril. Hein, et le 12 mai, alors le 12 mai, on avait 2000 cas. Donc on est passé, on a fait x10 en un mois. x10 en un mois. On a eu 10 fois plus de cas en un mois. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 7000 cas. On est passé de 2000 à 7000 cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, les 2000 étaient un pic, mais on est remonté encore à 7000 cas. Aujourd'hui, le cumul des cas confirmés est de 7700 cas. Est-ce que véritablement, parce que, et je réexplique la question du R0, que j'avais déjà expliqué dans un live précédent, mais j'explique pour que tout le monde comprenne bien de quoi nous parlons quand nous parlons du R0. Nous parlons en fait du ratio de transmissibilité. Et le ratio de transmissibilité, que veut-il dire?
Il veut dire en fait, en résumé, hein, je simplifie à dessein, parce que mon but, c'est pas de rendre les choses compliquées. Mais globalement, on dit une personne infectée en infecte combien? Voilà, c'est aussi simple que ça. Une personne infectée en infecte combien? Et donc le problème de ce ratio, pourquoi est-ce qu'il est important? C'est parce que ce ratio est le déterminant de la décision de déconfiner ou de maintenir le confinement. Or, à ce que je sache, hein, parce que moi jusqu'à présent, depuis le temps que j'en parle, je n'ai jamais entendu parler de ratio R0 pour le Sénégal. Alors si vous avez eu connaissance de ce ratio R0, je vous invite à nous le mettre dans les commentaires pour que nous puissions savoir en fait de quoi il s'agit. Mais le ratio R0, il est calculé, donc on vérifie pour une personne contaminée, combien de personnes vont être contaminées à côté de cette personne-là. Donc combien de personnes seront infectées pour une personne porteuse du Covid-19. C'est un ratio tellement important, il est important parce que quand il passe en dessous de 1, c'est le moment de déconfiner. Et le problème en fait du Sénégal, c'est qu'on se demande sur quelle base scientifique avons-nous pris la décision de déconfiner. J'avais salué ici le départ du docteur Aloïs Diouf, le directeur de cabinet du ministre de la Santé au Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr, qui avait obtenu en fait une offre d'emploi en décembre 2019 et qui n'est pas parti pour l'OMS justement, comme représentant résident de l'OMS au Sénégal. Il n'est pas parti et il est resté jusqu'au mois dernier en fait pour partir en fait, hein, pour prendre son poste. Puis il est resté 6 mois de plus. Et je disais en fait, sans être dans le secret des dieux, que la décision en fait de déconfiner, malgré le fait que les cas étaient en train d'augmenter, est un casus belli, est une cause de rupture entre l'exécutif, donc les politiques, et les scientifiques et les médecins. Je rappelle que lors de notre débat avec mon excellent ami Ibrahim Amalitoun, nous avions fait le point justement sur la question de la science, et la question de la science en temps de Covid, en fait, pour discuter en fait des trois métiers en fait qui organisent finalement la science et qui interviennent dans une question de pandémie. La première, c'est les médecins, donc ceux qui sont à la manœuvre et qui traitent les gens. On les appelle d'ailleurs des infectiologues quand il s'agit de maladies infectieuses. Donc, le premier métier, c'est celui de médecin traitant, les infectiologues. Ensuite, on a les pharmaciens, donc l'industrie pharmaceutique, qui fournit en fait les médicaments aux premiers nommés et qui permettent à ces gens-là de traiter les patients. Et enfin, il y a les chercheurs. Donc les chercheurs qui, justement, dont le rôle est de faire des essais cliniques, de mettre en œuvre des protocoles qui permettent d'aboutir, donc de conclure à la validité scientifique des protocoles de traitement qui sont utilisés. Pendant cette période de pandémie, ces trois personnes-là ont parlé toutes avec des discordances absolument incroyables. Je donne l'exemple du délire complet qu'il y a eu par exemple en France et qui a eu un impact sur toute finalement la population, entre Didier Raoult d'un côté avec son hydroxychloroquine, médecin, infectiologue dont le rôle est de traiter, à qui on a reproché de n'avoir pas utilisé les protocoles de traitement comparables à ceux qu'utilisent les chercheurs. Or il n'est pas chercheur. L'industrie pharmaceutique qui a un intérêt direct, hein, à avoir un protocole de traitement ou un autre utilisé, que c'est un intérêt mercantile. Si le protocole de Didier Raoult est utilisé, le Remdesivir, qui est le protocole de Gilead, et j'y reviendrai tout à l'heure, perd de l'argent. Et d'ailleurs, ce qu'on reproche à Didier Raoult, mais c'est cela, c'est d'avoir fait perdre de l'argent à la multinationale pharmaceutique Gilead. C'est cela le sujet. Et quand il est venu au Sénat, justement, convoqué par la commission d'enquête parlementaire du Sénat, il l'a redit en disant, si vous voulez trouver la vérité dans cette affaire-là, vous devez vous poser la question des conflits d'intérêts que Gilead peut avoir dans cette affaire-là. Et Gilead, donc, en tant qu'industrie pharmaceutique, elle a donc besoin,
pour que les médecins utilisent son protocole de traitement, des chercheurs. Et c'est là que nous avons le conflit d'intérêts à nouveau, et je l'avais rappelé tout à l'heure, le conflit d'intérêts est un tueur d'intégrité. Les personnes, justement, l'industrie pharmaceutique a demandé aux chercheurs médicaux de se prononcer en sa faveur, en disant que le remdesivir, qui est leur protocole de traitement, est excellent. Mais elle n'a pas fait que ça. Elle a essayé aussi de casser la bithérapie, justement, qui était un protocole à 12 euros, alors que le remdesivir coûte dans les 500 euros le traitement, alors que la chloroquine, 12 euros. Le ratio, il est vite fait. Hein. Ce n'est pas avec la chloroquine que Gilead, qui est introduite en bourse et dont je vous parlerai tout à l'heure, notamment en termes d'organisation et aussi en termes de présence dans le CAC 40 en France. Hein, parce que, souvenez-vous, hein, le conflit d'intérêts est un tueur d'intégrité. On y reviendra tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? Hein, pour en revenir au Sénégal, c'est que on a déconfiné hors de toute rationalité, au-delà de toute rationalité. On ne sait pas quelles sont les hypothèses que l'État sénégalais a poursuivies pour déconfiner. D'ailleurs, je rappelle à ceux qui veulent l'entendre que la première fois que la rentrée scolaire avait été prévue, elle a été avortée. Elle a été avortée pourquoi ? Parce que au moment, la veille ou l'avant-veille, je crois, de l'ouverture des classes, nous nous sommes rendus compte, en fait, que quelques enseignants, parmi les enseignants qui avaient voyagé, je le rappelle, aux frais de l'État, dans des conditions absolument innommables et scandaleuses, hors de tout respect de distanciation sociale, sans prendre en compte les conditions d'hébergement pour ceux qui traversaient la Gambie pour aller en Casamance, sans information ni sans autorisation de traverser le territoire donné aux enseignants qui ralliaient Casamance. Voilà, donc dans des conditions absolument rocambolesques, il n'est pas étonnant que ceux qui sont arrivés en Casamance aient été porteuses du Covid et qu'elles aient accru le nombre de personnes dans ces zones-là et elles aient aidé à disperser plus sûrement dans tout le Sénégal, puisque je rappelle que c'est l'un des rares voyages. Et puis, enfin, avant même de rappeler ça, les enseignants sont la plus grosse cohorte de la fonction publique au Sénégal. C'est vraiment le corps le plus important. Et ce corps-là a été convoyé dans des bus, etc., et emmené partout dans le Sénégal. Ils se sont défendus, l'État s'était défendu en disant il y a environ 30% des enseignants qui sont remis en selle pour travailler. Mais alors, nous n'y croyons pas beaucoup parce que si c'était le cas, je pense qu'on n'aurait pas eu les cohortes assez importantes de gens qui se sont retrouvés finalement contaminés dans ces cas-là. Et je rappelle que le R0, donc, c'est un des éléments de décision. Il y a un deuxième élément de décision, c'est l'atteinte du pic. Il faut que nous ayons atteint le pic, parce que quand on a atteint le pic, on commence à descendre. Et on a eu un débat ici où, personnellement, je fais partie de ceux qui avaient expliqué que le pic avait été atteint, en tout cas sur la période qui avait précédé, donc la période qui va du 2 mars jusqu'au 11 mai, parce que c'est le 11 mai qu'on a eu le pic, c'est-à-dire le taux le plus élevé de personnes contaminées en même temps. Le 11 mai, anniversaire de Bob Marley, pour mes amis, pour ceux d'entre vous qui sont reggae-man, mais c'est aussi le jour où on a eu 177 cas, donc le jour le plus élevé. Et puis, on a pensé donc que, naturellement, on est en train de descendre. Parce que qu'est-ce qu'il se passe ? Le pic est toujours déterminé a posteriori, c'est-à-dire c'est après l'avoir dépassé qu'on se dit on était dans le pic. Le problème, en fait, c'est qu'on a eu un second pic, et un second pic à environ 20 jours d'intervalle. Et c'est là, normalement, que l'on parle de seconde vague. Quand on a un deuxième pic qui invalide le premier, on a effectivement... Alors, le deuxième pic, il est arrivé exactement le 19 juin. Le 19 juin. Le 11 mai et le 19 juin. Donc, environ 32 jours approximativement après le premier pic. Et c'est le sens de ma question. Le sens de ma question de dire, est-ce que nous n'assistons pas à une deuxième vague ? Et c'est une question qu'il faut que les autorités, à laquelle il faut que les autorités répondent. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre une seconde vague ?
Je rappelle que les maladies épidémiques, donc les pandémies, sont des maladies d'écosystème. C'est quoi une maladie d'écosystème? Ça veut dire que les maladies ne réagissent pas de la même manière en fonction de l'écosystème. Et de mon point de vue, j'ai discuté tout à l'heure avec mon cousin qui est en ligne Pi, justement, qui me faisait noter quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord. Et donc, c'est presque de la... on était presque dans une espèce de... Comment ça s'appelle? De télépathie. Et je lui... Enfin, on discutait de... Est-ce que ce n'est pas une stratégie délibérée, finalement, de la part de l'État du Sénégal, de laisser s'infecter le plus grand nombre, le plus grand nombre, pour accéder à l'immunité collective? Est-ce que la stratégie conduite actuellement par l'État est une stratégie qui, hors de tout doute raisonnable, est stupide? Une stratégie qui, hors de tout doute raisonnable, est dangereuse? Une stratégie qui, hors de tout doute raisonnable, scandaleuse? Elle est scandaleuse pourquoi? Et je m'explique. Quand l'État a pris la décision de réouvrir l'école, ils ont procédé avec un mimétisme qui était absolument incroyable. Quand les Français ont confiné, l'État sénégalais a confiné. D'ailleurs, l'État malien aussi, pour ceux de mes amis qui regardent de l'aide et qui sont maliens. Et l'État malien aussi a confiné. Quand les Français ont déconfiné, l'État sénégalais a embouché la même trompette et a déconfiné. Or, le pic en France a été atteint 10 jours avant la décision de déconfiner. Deuxièmement, ça a été préparé sur un temps long. Donc les gens ont eu 10 jours pour préparer le déconfinement, en termes de communication au grand public. Mais depuis le début de la crise, ils préparent le déconfinement. Parce que je dois rappeler qu'en France, il existe un plan de gestion de crise en cas d'épidémie qui permet de gérer les pandémies. Au Sénégal, il en existe un, mais je ne sais pas de quand date la dernière actualisation. J'ai vu, moi, ce que j'ai vu en tout cas, c'est assez vieux. D'ailleurs, ça fait partie des choses qu'il faudra, au sortir de ce Covid-là, faire, et une chose sur laquelle les médecins pourraient être particulièrement utiles, mais pas que les médecins. Et c'est ça le problème, c'est que considérer en fait qu'un plan de gestion de crise, de pandémie, et du strict privilège des médecins est une bêtise. C'est une bêtise. Et d'ailleurs, ça s'appelle un conseil scientifique. Mais un conseil scientifique, pourquoi? Il ne contient pas que des médecins. Il y faut des médecins, il y faut des pharmaciens, il y faut des chercheurs, mais il y faut aussi des économistes. Dans le même conseil, pour que les décisions soient prises de manière collégiale et dans une approche pluridisciplinaire. Mon point de vue, c'est que c'est ce qu'il a manqué dans cette affaire-là. J'ai entendu, j'ai lu une interview en préparant cette émission de Felwine Sarr, dans laquelle il disait que le président les avait mis à contribution pour réfléchir sur les mesures d'accompagnement économique pour l'État sénégalais. Et j'applaudis les deux mains. Simplement, ce que je conspue, ce que je reproche à cette manière de faire, c'est les silos. On a créé des silos et on a fait travailler les gens de manière regroupée, mais par compétences, alors qu'il fallait les mettre tous ensemble pour travailler ensemble. C'est mon point de vue. Et je peux me tromper, mais je crois quand même que sur cette question-là, il nous a manqué quelque chose. Si nous avons une seconde vague et que l'objectif est l'immunité collective, quel est le risque que ça nous fait courir? Le premier risque que ça nous fait courir, c'est que les États africains ne sont pas égaux en termes de... parce que, alors, avant d'expliquer cette question de l'égalité de traitement, je dois d'abord vous dire que pourquoi l'immunité collective a été proposée comme mécanisme de sortie de crise, c'est parce que c'est la solution la plus compatible avec le redémarrage de l'économie. C'est la seule solution qui ne prévoyait à aucun moment de contingentement ou de réduction du fonctionnement de l'économie. Alors vous vous doutez bien que c'est la solution préférée des leaders politiques et que c'est la solution la moins suggérée par les médecins. Je me souviens d'ailleurs que lorsque le docteur Thior, qui a été le premier justement théoricien sénégalais de cette question-là, est parti sur le plateau de ITV pour y regretter
que l'État ne fasse pas le choix de l'immunité collective, il avait deux arguments. Le premier argument, et il avait raison, c'est la jeunesse de la population. La population africaine, et spécialement sénégalaise, dans la pyramide des âges, elle est inversée. Le bas, donc de 0 à 25 ans, le bas est plus élargi que le sommet, où les gens les plus âgés, finalement, sont les moins nombreux. Il avait raison de ce point de vue-là, en postulant la question de la jeunesse de la population, qui est un facteur qui atténue le risque. Par contre, et c'est mon point de vue, et je peux me tromper, hein, mais c'est mon opinion, je trouve quand même qu'il méconnaît une situation qui est une situation particulière de l'Afrique, qui est le corollaire de la pauvreté, qui est le corollaire de la malnutrition, et qui est le corollaire de l'absence de revenus, de l'extrême pauvreté. C'est le taux de prévalence des maladies chroniques. C'est le deuxième paramètre de l'immunité collective. Et ce paramètre-là, pourquoi il est important? Parce que le Covid-19 est plus la probabilité de faire un SRAS, donc un syndrome de respiratoire, un syndrome aigu respiratoire sévère, la probabilité de faire un SRAS à partir du Covid est renforcée par la présence au départ dans l'organisme d'une comorbidité. Et les comorbidités, c'est essentiellement les maladies chroniques. Le diabète, l'insuffisance rénale, le VIH, la présence de VIH dans les corps, etc., etc. Et toutes ces choses-là font que nous avons, je veux attirer votre attention dessus, un taux de prévalence des maladies chroniques, notamment du diabète au Sénégal, qui est extraordinairement élevé. Et cette immunité collective-là, elle n'est pas compatible avec le taux de prévalence des maladies chroniques. C'est vrai, sur le VIH, le Sénégal fait partie des taux, des pays qui ont les taux les plus faibles et qui jusqu'en 2012 étaient de moins de 1% de taux de prévalence de la maladie. Mais là-dessus même, au niveau national, il y a une rupture d'égalité, il y a de fortes disparités entre les zones. Les zones très fortement aurifères ont un taux de prévalence du sida qui est supérieur à 2. C'est le cas de Kédougou, c'est le cas de Tamba, c'est le cas de Ziguinchor. Les zones aussi très fortement touristiques ont un taux de prévalence en fait du VIH et du SIDA qui est très élevé. Est-ce que dès lors, on peut avoir une approche comme ça, unilatérale, homogène, uniforme en fait sur tout le territoire national et choisir l'immunité collective? Je ne le pense pas. Et donc, ma discussion avec mon cousin dont je vous parlais tout à l'heure, c'était de se dire, mais à la fin, si, sachant tout cela, ils font quand même le choix de l'immunité collective, ils le font à dessein. Et donc, ils font à dessein le choix de faire mourir les gens. Et je dis non. Et là, on est d'accord, il faut qu'on dise non. Certainement, ils ne font pas le choix de faire mourir les gens. Mais ils intègrent la possibilité qu'il existe des dommages collatéraux. Ils l'intègrent. Et ils font ce choix-là en se disant, de toute façon, la population est jeune. Mais sociologiquement, et c'est ça le problème, sociologiquement, comment nous n'avons pas la même manière de vivre en France avec les personnes âgées qu'au Sénégal avec les personnes âgées. Je rappelle qu'au Sénégal, les personnes âgées demeurent des piliers de la famille. Elles habitent avec la famille. Si vous envoyez les enfants à l'école, si vous faites une stratégie d'immunité collective, à moins de retirer les personnes âgées du cœur de la population, vous les exposez à court, moyen ou long terme à une infection. Et quand les personnes âgées sont infectées, la probabilité qu'elles fassent un SRAS est plus élevée. Pourquoi? Pour des raisons aussi arithmétiquement simples, c'est que plus on prend de l'âge, et plus les comorbidités sont nombreuses. Et plus les comorbidités sont nombreuses, et plus la probabilité que la personne porteuse du Covid-19 ait une maladie qui dégénère en maladie respiratoire aiguë. Et c'est à ça, à mon avis, c'est ça les causes principales de l'augmentation absolument incroyable de décès que nous avons aujourd'hui. Les décès, je le rappelle, hein, aujourd'hui on a eu 141 décès. C'est-à-dire que quand on cumule les cas, on a 141 décès. Je rappelle que le nombre de cas confirmés aujourd'hui, mercredi 8 juillet,
est monté à 7657. Avec, évidemment, le cœur de l'épidémie s'est déplacé. Il n'est plus à Touba, il n'est plus dans les zones qui pendant longtemps ont été critiquées. Il est aujourd'hui à Dakar. Il est à Dakar. Dakar, c'est un problème. Dakar, c'est un sujet. C'est un vrai sujet et je ne sais pas comment on peut à la fois faire ces décisions-là de déconfinement absolument total, intégral, dans ces conditions-là. C'est vrai qu'il y a 7657 cas et qu'on nous montre souvent la question du nombre de cas guéris. Aujourd'hui, il y en a 5000. Ça veut dire que les deux tiers des personnes infectées sont guéries. Mais ce n'est pas ça le problème, mes amis. Le problème, c'est est-ce qu'il existe un risque de réinfection ? Aujourd'hui, définitivement, on peut dire qu'il existe un risque de réinfection. Maintenant, tout le monde, tous les organismes ne sont pas égaux devant la réinfection. Ça veut dire, ce n'est pas parce que vous avez déjà eu le Covid que vous ne l'aurez plus jamais, parce qu'au début de la pandémie, il y avait un vrai atermoiement, un vrai flottement. On ne savait pas, et les scientifiques ne savaient pas, si oui ou non, le risque de réinfection existait. Mais si ce risque de réinfection est réel, il nous fait encourir un véritable risque de seconde vague. Et la seconde vague, c'est comme avec la grippe espagnole en 1918, je crois. La grippe espagnole, la seconde vague, avait tué plus de monde que la première vague. Je crois, et je ne veux pas être un Cassandre, je ne veux pas être celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Je ne veux pas d'ailleurs être celui qui inquiète les gens. Mais je pense quand même que l'État aurait intérêt à prendre sérieusement cette question-là en charge. Et d'ailleurs, je pense que par la force des choses, parce qu'ils sont le plus exposés aujourd'hui, tous les deux jours, vous entendez qu'ils s'autoconfinent. Au moindre problème, ils s'autoconfinent. J'ai entendu le ministre de la Justice le dire, et je leur souhaite prompt rétablissement. Le président lui-même a été confiné. Et aujourd'hui, je rappelle que nous avons 6500 cas contacts. Et qu'un cas contact est potentiellement, pendant 14 jours à 15 jours, mais en réalité pendant 20 jours, porteur d'une infection. Et cette infection-là, elle peut être asymptomatique, c'est-à-dire qu'il peut n'avoir aucun symptôme. Et s'il n'a aucun symptôme, il peut ne pas se douter, puisqu'on est dans une démarche où on ne teste pas systématiquement. Et c'est l'autre problème. L'autre problème, c'est que dans une démarche où on ne teste pas systématiquement, c'est-à-dire que vous savez que la stratégie chinoise, pourquoi elle a fonctionné en fait ? La stratégie chinoise a fonctionné pour des raisons extrêmement simples. Il y avait trois choses qui ont fait que les Chinois ont marché du tonnerre de Dieu. Eux, ce n'est pas compliqué. Ils ont diminué les contacts entre les personnes. Même celles qui ont... et c'est d'ailleurs ça qui fait que l'OMS a félicité la Chine pour avoir réglé rapidement cette question du Covid-19. Donc la première, c'était, et c'est ce que vous entendez répéter à longueur de journée, c'est le triptyque miraculeux. Diagnostiquer, isoler, traiter. Aucune autre solution. Diagnostiquer, isoler, traiter. Dans diagnostiquer, il faut donc tester massivement. Aujourd'hui, on nous dit oui, et on a perdu un peu de temps à cause du monopole justement qu'avait l'Institut Pasteur au départ, malgré la grande expertise de l'IRSF, qui est géré par le professeur Mboup, qui est d'ailleurs le professeur Mboup, il faut le dire, hein, c'est le co-découvreur du VIH2. Hein, le deuxième type de VIH, c'est le professeur Mboup qui l'a découvert. Il a un laboratoire pas de dernière génération, mais P2, de type P2, extrêmement sécurisé, et qui lui permet de faire de la même manière des PCR, donc de faire des tests qui permettent de diagnostiquer. Il a dit d'ailleurs hier ou avant-hier avoir fait depuis le début de la pandémie environ 13 000 tests. Qu'est-ce qui empêche de tester plus ? Parce qu'on a mis des milliards dans de la nourriture. Si on veut redéconfiner,
il faut assortir ce déconfinement massif d'un traitement massif, d'un dépistage massif. Il faudrait, et c'est mon point de vue, au moins dans chaque quartier, qu'il y ait un dispositif de test. Ça peut être un laboratoire, ça peut être une clinique qui est réquisitionnée, ça peut être un stade, un endroit qui est sécurisé, sécurisé, c'est-à-dire donc qui est mis aux normes médicales, pour empêcher que ce soit un lieu à partir duquel on propage des maladies. Mais il faut tester. Donc ça, c'était la première chose sur la stratégie chinoise. Et je rappelle que la stratégie chinoise, c'était aussi de tester, d'isoler ceux qui étaient positifs de ceux qui étaient sains. Ceux qui étaient positifs étaient isolés dans des stades, et dès qu'ils tombaient malades, ils étaient traités. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que il y a une vraie stratégie là-dessus, par contre, parce que j'ai lu le rapport, je pense, trimestriel, qui a été fait par le ministère de la Santé, et qui indique que de plus en plus, ils sont en train de créer des endroits où on peut traiter les gens. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi inciter les gens à se dépister. Il faut les inciter à se dépister volontairement. Et je rappelle que cette stratégie-là, c'est elle aussi qui a été utilisée pour la pandémie du VIH. Au départ, quand il y a eu le VIH, on a massivement, et la communication communautaire a poussé à un dépistage massif. Dépistage sérologique. Et aujourd'hui, il faut créer des tests, il faut faire des endroits où on peut tester. Deuxième chose qu'il faudrait que nous fassions, à l'instar de la stratégie chinoise, c'est la surveillance douce. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des applications Stop Covid. Il faut arrêter ces histoires. Il faut une application Stop Covid qui permet en fait de tracer les gens et d'identifier les gens qui ont été en contact avec une personne malade. Ces personnes-là doivent prioritairement être testées, prioritairement aux autres, s'entend. Si on doit arbitrer qui tester, il faut tester en priorité les personnes qui ont été en contact avec des personnes malades. Donc, l'application, il faut la faire. Il faut la faire et il faut la mettre en œuvre. N'en déplaise aux partisans de la liberté et qui disent « oui, mais dans ce cas, si on fait ça, on remet en cause un peu les libertés publiques. » Ah oui, complètement. Les chiffres sont totalement fiables. Grand Joseph, Grand Jeannot, les chiffres sont totalement fiables. Ils sont totales. Alors, c'est ça, ils sont totalement fiables dans le sens de ceux qui ont été communiqués, c'est un minimum. Et donc, s'ils sont fiables, c'est à minima. Mais effectivement, le cas, peut-être les cas peuvent être beaucoup plus importants. Et puis, deuxième chose, il a été démontré, et ça c'est un indicateur universel, c'est que dans tous les pays où le Covid a existé, le ratio était de 1 pour 26 entre les personnes testées positives et les personnes positives non testées. C'est-à-dire qu'il y a 26 fois plus de monde positif non testé qu'il n'y a de gens testés positifs. Et ça fait froid dans le dos, ce chiffre-là. Et c'est parce qu'il fait froid dans le dos qu'il faut accroître la question du test et de l'isolation. Il faut tester et isoler. Exactement, les maladies chroniques qui ont été mises de côté par le Covid. Oui, attention au retour de bâton. Salut Dibi, docteur Anne, merci beaucoup, sois le bienvenu. Donc effectivement, il y a cette question, les chiffres sont fiables à minima, mais de manière générale, de manière absolue d'ailleurs, et d'ailleurs c'est comme ça aussi que les pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme la France se sont fait avoir, en disant genre restez chez vous, restez chez vous. Oui d'accord, mais restez chez vous. Si vous avez une comorbidité, la probabilité que ça dégénère est très forte. Donc, restez chez vous, on l'a tous dit, mais après coup, c'était une erreur. C'était une erreur monumentale de dire aux gens, restez chez vous. Et d'ailleurs, la commission d'enquête parlementaire actuelle du Sénat le montrera de manière indéniable. Ok ? Deuxième chose par rapport à la stratégie chinoise, c'est la prise en charge intégrale des patients. J'entends que des hôtels ont été réquisitionnés et que dans ces hôtels-là, les gens sont stigmatisés. C'est-à-dire qu'une personne qui est identifiée, elle se rend dans un hôtel identifié et puis elle y reste. Mais les parents de cette personne-là doivent s'occuper d'elle pour lui donner à manger. C'est absolument scandaleux. C'est inacceptable. À mon avis, ces endroits-là doivent être des endroits secondaires
dans lesquels il faut aider les gens, il faut leur donner de l'information de base et il faut permettre à des gens avec la bithérapie, avec la chloroquine. Les Chinois ont utilisé massivement la chloroquine. Mais attention, ils ont aussi utilisé ton médicament remède, Jeannot, ton médicament remède sur celui de Madagascar. Mais eux, ils l'ont utilisé sous une forme, comment s'appelle cette affaire? D'ailleurs, c'est très, très courant aujourd'hui. Jeannot, si tu peux me rappeler le médicament de Madagascar, hein, parce qu'il ne me revient pas tout de suite en tête. Et ils ont été les premiers à tester le remdesivir et à conclure que le remdesivir est mortel, il n'est pas bon. Et ensuite, ils ont eu trois stratégies de traitement. Première stratégie, c'est la chloroquine. Deuxième stratégie, c'est la vitamine C. Ils ont utilisé la vitamine C à de très hautes doses. Et le New York Times, d'ailleurs, le professeur Wang, qui est un professeur chinois, a fait un article dessus pour expliquer que la vitamine C avait un effet puissant sur le coronavirus. L'artémisia, Dibi, c'est exactement ça. Merci, Dibi. L'artémisia. Et le troisième élément, donc, c'était l'artémisia. Et ils ont fait des études aussi cliniques sur le remdesivir. Ils ont été le premier à le tester et à conclure qu'il n'était pas bon. Aujourd'hui, à l'hôpital Bichat, les résultats sont sortis. Il y a eu 5 personnes sur lesquelles on a testé le remdesivir de Gilead, dont je vous ai parlé. Et sur ces 5 personnes, il y en a eu 2 qui ont fait une insuffisance rénale. 2. Alors ça fait, je ne sais pas combien, ça fait près de 40% des personnes qui ont reçu ce traitement ont dégénéré en insuffisance rénale et ont été dialysées. Et ça, vous ne l'entendrez pas dans les médias officiels parce que remdesivir, c'est Gilead. Et Gilead a des accords, en tout cas des accords secrets, avec les chaînes de télévision les plus importantes. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez des gens comme Patrice Cohen, qui sont, voilà, le Covid organique, c'est ça. Donc dans le Covid organique, c'est en fait la base de traitement, c'est l'artémisia. Et eux, ils ont utilisé ça et ils ont détecté. Tu sais que l'artémisia, en fait, ils en sont les découvreurs. Ils en sont les découvreurs, même si on l'utilisait nous chez nous, ils ont été les premiers à le propager et à l'utiliser, notamment au Vietnam, pour soigner eux-mêmes l'utilisaient les Asiatiques, mais ils l'ont utilisé, les militaires américains ont utilisé l'artémisia pour soigner les militaires, justement, lors de la guerre du Vietnam et pour éviter le paludisme. Donc, c'est quelque chose d'assez, dont les effets bénéfiques, les effets notoirement connus, sont bénéfiques pour le Covid-19. Alors, justement, donc, comment ils ont pris en charge intégralement les patients et ils ont confiné toutes les personnes qui vivent dans des postes d'éclosion. Et là-dessus, je veux vous parler de la stratégie de confinement ciblé. Parce que le problème, à mon avis, la réponse, ce n'est pas l'immunité collective, la réponse est le confinement ciblé. Et regardez ma première vidéo sur le Covid-19, qui date de, je pense, fin mars. J'expliquais à l'époque que le confinement serait une bêtise absolue pour ce qui concerne l'Afrique, mais qu'il faut confiner de manière localisée. Et j'avais donné à l'époque, et vous pouvez revoir la vidéo, l'exemple en disant, si vous êtes à Grand Yoff, par exemple, et qu'à Grand Yoff, quelqu'un a été testé positif, il faut isoler la poche, le rayon, de 1 km autour de là où on a détecté quelqu'un de positif. Première chose, il faut créer donc un cordon sanitaire. Deuxième chose, il faut créer maintenant un pont logistique d'approvisionnement de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait le moyen que, de façon régulière, alors soit à la journée, tous les 2 jours ou par semaine, il soit ravitaillé, parce que c'est plus supportable sur le budget de l'État de confiner un quartier et de l'approvisionner pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas dans cette zone-là. En même temps qu'on le confine, on crée une unité de campagne, un hôpital de campagne à côté qui permet, quand quelqu'un est malade, qu'on puisse le sortir et l'amener là-bas pour le traiter. Mais cette stratégie-là, elle suppose
d'avoir des lits d'assistance respiratoire. Et c'est ça le problème, et c'est ça qu'il faut qu'on règle dès la fin de cette maladie-là, mais dès le début, parce que là, on n'est plus dans le confinement. On va ouvrir les aéroports. Il faut acheter massivement des lits d'assistance respiratoire. Il faut en acheter massivement. Il faut acheter massivement du matériel pour construire des hôpitaux de campagne. Il n'est pas admissible que dans certaines zones, il n'y ait pas d'hôpital de type 1. Ce n'est pas admissible. On n'a pas. Il y a des zones au Sénégal dans lesquelles il n'y a que des centres de santé communautaires. C'est inacceptable. Et de mon point de vue, c'est que, à la limite, on pourrait même vendre au poids le TER, le vendre en ferraille, vendre au poids, et l'argent qu'on en retirait, l'utiliser pour créer des hôpitaux dans tout le Sénégal. Il n'est pas admissible qu'il y ait des déserts médicaux encore aujourd'hui au Sénégal, alors qu'on a mis 1 200 milliards au moins pour faire comment ça s'appelle là, pour faire un train express régional sur environ 50 km. Il n'est pas admissible que l'on continue de construire des terrains de sport, Dakar Arena, de la lutte, quand dans le même temps on a encore des abris provisoires. On a encore des endroits qui sont des déserts médicaux. C'est insupportable. Insupportable. Et je pense quand même que les priorités doivent être réorientées dans le cas de ce coronavirus-là. Maintenant, il y a des critères de décision. Et je voulais terminer là-dessus. C'est que il y a probablement, on est probablement au cœur de la seconde vague. On est probablement au cœur de la seconde vague du coronavirus au Sénégal. Et voici les critères, normalement, que au-delà de ce que je viens d'expliquer et du déconfinement, ok, mais maintenant il faut avoir une stratégie flexible de reconfinement avec de la géolocalisation des gens qui ont été en contact. Et parce que regardez, si vous prenez l'exemple de Grand Yoff, si vous avez, il faut qu'on ait des seuils. Si vous avez 100 personnes qui ont été testées positives, la probabilité est grande que dans cette zone-là, vous soyez sur une poche de diffusion. Si vous fermez cette zone-là, vous avez des raisons de la fermer. Et ensuite, il faut tester systématiquement. Mais comment prendre cette décision-là? Parce que vous n'avez pas l'argent pour tester systématiquement. Il faut donc mettre les applications de traçage du coronavirus. En disant, dans chaque zone où on a des cas détectés, on trace, on géolocalise les smartphones des gens qui y habitent. Et on voit quels sont les gens qu'ils ont rencontrés. Et ces personnes rencontrées, on envoie un push SMS, parce que les opérateurs télécoms peuvent le faire, on envoie un push SMS pour inviter cette personne-là qui a été au contact d'une personne infectieuse pour qu'elle aille se tester au niveau de l'hôpital de campagne qui a été monté. C'est comme ça que nous pouvons lutter contre le coronavirus sans fermer notre économie. Parce que nous ne devons plus refermer l'économie, et je suis d'accord, parce qu'on le paye d'un grand prix. Mais il y a des alternatives intelligentes, flexibles pour décider de ça. Donc la première décision pour déconfiner, ça aurait dû être le fait que le coronavirus soit endigué. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le coronavirus est endigué? Est-ce qu'on n'a que des cas sporadiques ou est-ce qu'on a plutôt des foyers épidémiques? Deuxième chose, c'est que avant de déconfiner, on aurait dû vérifier que les agents de santé publique et les capacités du système de santé du pays soient suffisantes. On a des élèves et des étudiants qui sont, et c'est ce que les États-Unis ont fait, hein, c'est pas quelque chose qui sort de ma tête, hein. Les États-Unis ont mis les étudiants qui n'avaient pas encore été diplômés, mais qui étaient en dernière année, ils les ont formés rapidement et les ont mis au travail comme personnel de santé pour suppléer l'insuffisance des personnels de santé. Pourquoi ne faisons-nous pas ça? Et ça permettrait de régler deux choses. Un, la question du numerus clausus. Vous savez qu'il y a une règle en fait, c'est que il y a un nombre de personnes qui seront admises chaque année à passer parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas enlever ce numerus clausus-là cette année? Et prendre tous les gens qui ont
niveau de formation en santé et leur faire une formation complémentaire. Une formation complémentaire. Justement sur ces questions-là de lutte contre le coronavirus, de comment on fait une PCR de base. Parce que je rappelle que la PCR, polymérase chain reaction, c'est le test diagnostique du coronavirus. C'est un test simple. Hein. C'est un test extrêmement simple. Ok, il n'y a peut-être pas le matériel, mais dans ce cas, il faut qu'on achète du matériel. C'est tout. Je rappelle que le président nous avait dit qu'il allait prendre 1000 milliards. Hormis acheter du riz, je rappelle que jusqu'à présent, il y en a qui n'ont pas touché ce riz-là. Il y en a qui n'ont pas vu le riz. Hein? Et pas si loin, je parle de Dakar. Hein? Je dis à Dakar, il y en a qui n'ont pas vu le riz que vous avez donné. Hein? 1000 milliards que vous nous aviez dit. Donc attention quand même, on peut utiliser un peu de cet argent-là pour acheter du matériel et former les personnes diplômées pour qu'elles nous aident dans cette deuxième phase-là, dans cette seconde vague qui peut être terrible pour le Sénégal. Ensuite, il faut vérifier que les milieux qui présentent de fortes vulnérabilités, je parle de l'université par exemple, je parle des marchés, je parle de, des cas, enfin des supermarchés, je parle des stades, je parle de tous ces endroits qui présentent de fortes vulnérabilités, il faut s'assurer que la distanciation physique soit réinstallée. Il faut remettre la distanciation physique. Il faut la remettre. Et puis, sur les lieux de travail, je rappelle aussi que les entreprises, si les entreprises coopèrent et collaborent à cette lutte contre le coronavirus, elles peuvent nous aider, d'abord parce que les entreprises sont des lieux où la question de l'éducation, du niveau d'études est élevée, même si les gens qui y travaillent ne sont pas formés, ils vont discuter avec, ils seront en contact avec des gens qui sont bien formés. Deuxième chose, et les étudiants, on est en ce moment dans une période, parce que je vous ai dit, hein, la réponse à la transmission du coronavirus, elle doit être communautaire. Il n'y a pas de solution. Les étudiants, on a des cohortes d'étudiants absolument incroyables et on a des chômeurs dedans. Il faut donner 50 000 francs par personne aux étudiants, les organiser, 50 000 par semaine, hein, bien entendu, les organiser en groupe, les doter suffisamment de matériel pour qu'ils puissent se prémunir contre le coronavirus et les envoyer partout dans le Sénégal pour sensibiliser. Parce que le fait que les communautés soient mobilisées et éduquées pour comprendre que, d'un côté, la restriction des déplacements est une mesure de santé publique et que ça doit être la nouvelle normalité. C'est la nouvelle normalité. Et là-dessus, il faut mettre les communautés à contribution. Les étudiants, les guides religieux, il faut les mettre à contribution. Et je pense que les musulmans ont fait leur part du travail en réouvrant les mosquées, en instaurant les mesures de distanciation sociale. L'Église doit les suivre. Elle doit réouvrir les églises et mettre en œuvre les mesures de distanciation sociale parce que ce sont des lieux dans lesquels ceux qui prêchent, ceux qui parlent, ont une influence sur les personnes auxquelles ils parlent que n'ont pas les pouvoirs publics. Donc il faudrait qu'on réouvre les lieux de culte et qu'on mette de nouvelles mesures de prévention dans ces lieux de culte-là. Mais l'État doit préalablement à la réouverture des mesures des églises doter puissamment les lieux de culte catholiques et musulmans, mais aussi les écoles privées. Je rappelle que ceux qui risquent de mourir de cette question du coronavirus-là vont plus sûrement mourir pour des raisons économiques que pour des raisons sanitaires. Les écoles privées, et notamment le privé catholique, mais pas que, les écoles privées de manière générale, risquent de mourir si l'État ne paye pas les scolarités que les parents n'ont pas les moyens de payer. Qu'on se comprenne bien. Et de ce point de vue-là, j'avais déjà expliqué que je ne comprenais pas ce que faisait l'enseignement privé catholique en mettant la pression sur les parents. Vous vous trompez de combat. Ce n'est pas les parents qu'il faut attaquer. D'ailleurs, ce n'est pas leur responsabilité. C'est l'État le responsable. Et il faut que l'État paye les écoles privées catholiques pour le travail qu'ils font. Et les écoles privées de manière générale. Voilà. Et donc, une fois que ceci est dit, il faut donc remettre à contribution les personnes, les artistes, que l'on ne sent plus. Ils avaient commencé à être mobilisés,
Et puis, cette manière de faire-là, de l'État, a démobilisé tout le monde. Donc, il faut reprendre cette partie-là et puis régler cette question-là, parce que sinon, le risque que nous vivons, c'est que ce coronavirus sera fatal pour les pays africains. Spécialement dans cette période-là où on va vers un déconfinement des frontières, on risque d'avoir une pandémie qui va s'internationaliser à des cadences que nous ne pourrons pas supporter. Glan, je suis sûr, Jeannot, je suis presque sûr qu'ils sont en train de se le partager. Le Covid organique, ça, personne n'en a entendu parler, personne ne l'a vu. Donc oui, absolument. Oui, et puis, tu vois, Dibi, vous qui êtes d'ailleurs dans des écoles de formation, il faut, un, qu'on vous donne de l'argent, mais deux, il faut que l'État, en lien avec les opérateurs télécoms, mettre en œuvre d'abord la connexion gratuite, et d'ailleurs c'est le point sur lequel je voulais terminer. Orange, Orange en tout cas, parce que c'est ça que j'ai vu, a joué son rôle quand même dans cette crise-là en diminuant les frais de connexion. Maintenant, il faut qu'ils aillent plus loin. Il faut qu'ils rendent la connexion gratuite à des conditions à négocier avec l'État. Ça pourrait être, par exemple, déductible d'impôts. Mais ils devraient mettre des hotspots dans les quartiers où il y a beaucoup des quartiers populaires, des hotspots pour que les gens puissent se connecter et que les écoles de formation comme HEC, Subdeco, ISM, IAM, etc., puissent utiliser les hotspots pour elles-mêmes, pour sa connexion, pour diffuser de la connaissance, mais que les gens aussi de chez eux puissent avoir accès à des cours en streaming, etc. Je pense que c'est une bonne période pour qu'on refasse les choses. Les cours ouverts, massifs, et ouverts et massifs en fait, les MOOC, doivent avoir droit de cité. C'est aujourd'hui un moment historique pour que les gens, d'abord, diminuent le fait d'avoir accès à l'école, mais que le temps qu'ils ne viennent pas à l'école soit un temps qu'ils passent plus utilement à se former à cause de la connexion qui ne leur coûterait pas très cher. Et ça ne coûterait pas tant que ça aux opérateurs télécoms, parce qu'il faut dire qu'ils n'ont pas véritablement souffert de la crise à coronavirus, parce qu'avec le coronavirus, notre besoin de communiquer s'est accru. Et donc, je pense que c'est un juste retour des choses de le rendre gratuit pour les utilisateurs finaux, dans des conditions à déterminer avec les pouvoirs publics, mais qui pourraient être par exemple des conditions de déduction fiscale et d'exonération, par exemple, qu'il faudrait envisager. Voilà. Donc c'est tout. Je m'arrête là. Je vous remercie donc pour le temps que vous m'avez consacré. Je note, pour ceux que ça intéresse, que j'avais partagé lors de ce live le lien Zoom pour vous permettre, si vous le souhaitez, d'interagir et d'entrer publiquement dans le lien Zoom et d'avoir un échange avec moi en visioconférence chaque fois que vous le souhaitez. C'est donc un mécanisme. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne. Je vais l'accepter. Je ne sais pas qui c'est. Ah, il n'est plus là. Ah mince, désolé, hein, je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un, un Galaxy S10, qui était dans la salle d'attente et qui n'est plus là. Bon. Écoutez, n'hésitez pas de toute façon. Pour les prochaines fois, c'est un mécanisme en fait que je vais maintenir et qu'on va utiliser, qui vous permettra en fait, si vous le souhaitez, de pouvoir intervenir en live. Alors, je pense que j'ai Galaxy S9 qui est avec nous. Galaxy S9, si tu m'entends, tu peux réagir. Tu es en ligne. Alors, S10. Galaxy S10, c'est qui? Ah, Alioune Badarabeï, sois le bienvenu. Oui, c'est Bonsoir Maurice, vous allez bien? Oui, sois le bienvenu. Je te reçois avec beaucoup de plaisir. Okay, merci. Le plaisir est mien. Okay. Vraiment, là, on a bénéficié de vos lumières et voilà, le live a été comme les jeux, je trouve, vraiment très, très, très intéressant. Merci voilà, beaucoup. Maintenant, donc, je vais juste de donner mon point de vue sur certains aspects. Je t'en prie. Voilà, donc avant de parler du sujet du jour,
Voilà, je voudrais juste revenir sur les, comment dire encore. Voilà, donc L'affaire au début de Boukharitza. vos propos, voilà, donc sur certains aspects. Je t'en prie. Voilà, bon, par exemple, voilà, donc en parlant d'abord du problème de Cissé Moustapha Cissé Lo. Oui, Voilà, absolument. donc je voudrais d'emblée dire que ces propos sont à condamner sans faiblesse. C'est clair. Voilà, donc ces propos qui sont vraiment d'une grande vilenie n'ont vraiment Absolument. Pas leur place dans l'espace public. Absolument. Voilà, mais toutefois, cela ne devrait pas occulter les accusations gravissimes du sieur Cissé Lo, qui, quoi qu'on dise, n'est pas n'importe qui dans ce pays. Exactement. Voilà, bon, je ne parle pas de la personnalité intrinsèque de la personne, voilà, mais ce monsieur a été, il y a même pas longtemps, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà, ce monsieur a représenté le Sénégal à la CEDEAO, voilà, où même il a été le président, voilà, le président, où même il a été président. C'est ça. Donc, qu'une telle personnalité, voilà, donc, affirme de telle, de, voilà, donc, affirme des choses d'une gravité extrême. Absolument. Ce monsieur a parlé de détournement de deniers publics. Voilà. Complètement. Donc, complètement. Lorsque nous sommes dans un contexte de raréfaction des ressources, voilà, donc, si une telle personnalité affirme ces choses-là, voilà, donc on ne devrait pas passer par perte de profit. Exactement. Donc, je pense que, comment dire, voilà, que la justice a même là l'occasion de se réconcilier avec le peuple au N'est-ce nom pas? duquel il rend la justice se rend. N'est-ce pas? Voilà, donc, le minimum aurait été une enquête sérieuse pour savoir réellement ce qui s'est passé. Voilà. Et ne pas juste se dire que, voilà, cacher tout sur la personnalité du monsieur et ne pas faire une enquête approfondie. Ça, c'est le minimum que les populations attendent. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, l'autre point, c'était le comportement du ministre de l'Environnement, M. Abdoukarim Sall. C'est ça. Voilà, ce comportement est révélateur. Le conflit d'intérêts, il est patent. Voilà. Lorsque M. de la République signe une convention avec lui-même parce qu'il est devenu privé, on ne va sur ces choses-là que dans les États bananiers, que dans les républiques bananières. Vraiment. Voilà. Vraiment. Et il devrait véritablement démissionner ou être démissionné. Ça aussi c'est le minimum. Complètement. Dans voilà. un pays, Donc, en tout cas sur sérieux, le, effectivement, voilà, c'est quelque sur le, chose qui peut se concevoir. Tout à fait, voilà. Voilà. Maintenant, sur l'affaire de Babacar Nguem. Voilà, bon, Babacar Nguem, bon, il est connu comme étant un entrepreneur respectable. Voilà, donc nous avions pour lui une grande estime. Voilà. Maintenant, bon, véritablement, tout ça semble être de son côté, parce que voilà, il a un titre foncier et ce titre semble-t-il est irrévocable. Absolument. Voilà. Absolument. Mais il y a deux choses qui, voilà, mais le droit diffère de la morale. Le droit diffère de la morale. Voilà. Maintenant, si du point de vue du droit, il peut avoir raison, oui. du point de vue de la morale, on se pose des questions. Voilà. Mais que nous je avions. Te, parce je, te poser je une dis question. Souvent que. Je vais te poser une question dessus avant que tu ne oui. passes. Parce que le problème, en fait, c'est qu'on oppose souvent droit D'accord. et morale. Mais le problème, en fait, c'est que les gens, ils ont une D'accord. obligation aussi. D'être exemplaire. Je veux dire, c'est pas parce que on a le droit pour soi que l'on peut cesser d'être exemplaire. Et la stratégie qu'il a utilisée, alors qu'est-ce que tu en penses, la stratégie d'une conférence de presse sélective? Parce que bon, cette conférence de presse, elle est quand même curieuse. Conférence de presse qui... Alors, excuse-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Elle est quand même sélective. Comment, au nom de quoi, on peut faire une conférence de presse... qui ne reçoivent que quelques salariés. Attends, excuse-moi, je vais arrêter l'appel là. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà, hein, c'est bon bizarre. Maintenant. L'appel n'arrête c'est pas, hein, c'est fou. Hein. Ah, attends. Je crois qu'il y a un problème avec... Ok. C'est bon, à toi, vas-y. Mais je sais pas où est-ce que ça sonne en fait. C'est étrange ça. Désolé, un petit souci technique, je sais pas où est-ce que ça sonne, je le vois pas. Je vois pas le. C'est dingue ça. Ok.
Ok, vas-y, je t'en prie, vas-y. Voilà, je parle très bien maintenant. Oui. Ok, bon. C'est fou, ça. En fait, bon, la conférence de presse, c'est voilà, donc c'était juste de la communication. Voilà, maintenant, c'est vrai que la façon dont cela a été fait ressemble beaucoup plus à un public reportage qu'une conférence de presse. Tout à fait, tout à voilà. fait. Voilà, donc on se rend compte, voilà, parce que quand parlant droit à l'information, oui. La conférence de presse devrait être publique. Voilà. Maintenant, si par contre on voit qu'il choisit quel organe venir, voilà, donc on comprend que véritablement c'est plus une stratégie de communication qu'il est en train de dérouler. Exactement. Avec, voilà, donc non pas une conférence de presse, mais un public reportage. Exactement. Déjà que, par exemple, en suivant l'affaire, on se rend compte que les populations de Nengler, par exemple, oui. ont eu toutes les difficultés du monde à saisir la presse. C'est voilà. Vrai. Toutes les conférences qu'ils ont animées, la presse a été présente, mais n'a pas diffusé l'information. C'est vrai. Mais par contre, lorsqu'aujourd'hui, M. Babacar Nguom veut s'adresser à la population, toute la presse est présente. Et oui. Cela même a été diffusé en direct sur certains sites. Absolument. Voilà. Donc ça aussi, ça pose le problème de l'information juste et exacte. Exactement. Parce que finalement, c'est quoi? C'est, on avait aujourd'hui des journalistes ou bien on avait des communicants. Ah. Ça aussi, ça pose problème. Voilà. Donc on est au lieu d'inviter des journalistes, on est plutôt des communicants parce qu'on a des informations que voilà à vouloir mettre à la disposition du public. Parce que voilà, finalement, le journaliste, voilà, parce qu'il y a différence entre le journaliste et le communicant. Voilà, donc ça. Finalement, ceux qui ont été à la conférence de conférence entre guillemets de presse de Mouchengom étaient des journalistes ou bien étaient des communicants. C'est ça. Mais ça c'est aussi, c'est un aspect qui me paraît important. C'est une vraie question qu'il faut poser. Et le fait qu'ils aient été payés, parce que j'ai vu le communiqué que le CORED a fait, tu sais, justement, dans lequel il réprouve ce mode de fonctionnement en disant l'information, c'est un service public. Parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est le service public de l'information. Tous les citoyens ont droit à l'information. Quand on fait une conférence de presse, tout le monde, à partir du moment où il y a une carte de presse, il peut y accéder. C'est ouvert. Mais là, dans le cas d'espèce, il y a deux choses qui m'ont semblé bizarres. Premièrement, c'est que la conférence de presse, elle est fermée, elle est sélective. Et deuxièmement, il y a eu mais vraiment de la publicité au départ. C'est-à-dire que la fille de Babacar Nguom a passé du temps à parler de sa boîte, de qui elle est, de qu'est-ce qu'ils font, des investissements qu'ils ont faits, mais c'est forcément de la publicité. Et ça, les journalistes et les chaînes qui ont diffusé ne peuvent pas l'ignorer. Donc si c'est de la publicité, quelle est la pertinence de l'information qui a été achetée? Parce qu'à aucun moment, ils n'ont écrit public reportage. J'en ai terminé. Oui, c'est pertinent. C'est pour ça que je disais qu'il y a information et communication. C'est ça. Voilà. Maintenant, l'information qui diffère de la communication. C'est ça. Aujourd'hui, ils étaient en train de faire cette stratégie de communication, comme je disais tantôt. C'est ça. Le but n'était pas d'informer. Donc, finalement, il y a toujours Anguille Churros. Voilà. Finalement, la question, c'est finalement, mais quelle presse est-ce que nous avons, finalement? Voilà. Ça aussi, c'est une question qui mérite réponse. Bon, malheureusement, nous ne la trouverons pas. C'est clair. Voilà. Mais en tout cas, c'est une presse sensible à la question de l'argent et peu rétive aux questions d'éthique et de déontologie. Mais est-ce que le CORED... Pourquoi le CORED ne fait-il rien? Parce qu'il a quand même une option. Au-delà des communiqués, il peut sévir, non? Mais est-ce que le CORED a la capacité de sanctionner ces entreprises de presse? Okay. Est-ce que le CORED a cette capacité? Parce que le CORED, il me semble, c'est juste, voilà, donc... Éthique et déontologie. Plus, c'est plus un syndicat qu'autre chose. C'est le tribunal des pairs, en fait. Pas, après, bon. Le tribunal des pairs. En fait, il voilà, peut juste statuer le tribunal des pairs, sur voilà. des questions disciplinaires. Il peut condamner. Voilà, ouais. Mais bon. Voilà. Il faut aussi comprendre aussi que la presse dans notre pays, est-ce que réellement, la presse, est-ce que ça paye? Voilà. Oui, est-ce que les journaux arrivent à faire des bénéfices? Voilà. Oui, tu poses la donc, question parce que, voilà, finalement, du business model. À chaque fois, quand on entend les patrons de presse, voilà, à chaque fois, c'est, ils font tout pour ne pas payer le fisc. Absolument. Voilà, parce que voilà, donc après, on pose la question, est-ce que ces entreprises sont voilà. Et la question de l'aide à la presse. Tu as la question, effectivement, voilà. du modèle économique, mais tu as aussi la question de l'aide à la presse que d'aucuns n'ont... Alors, il y a eu une vraie discussion entre les organes de presse, et il y en a qui ont même refusé de prendre
l'argent. Parce que si vous êtes un peu trop critique, vous avez la portion congrue de l'aide à la presse. Et est-ce que ce n'est pas le moyen par lequel on tient finalement ces gens-là? Oui. Si, en fait, il y a l'aide à la presse, il y a aussi le fisc. Voilà, parce que voilà, c'est vrai, aussi. L'État aurait levé le fisc, voilà, beaucoup d'entreprises de presse auraient fermé. Voilà, donc le modèle économique ne semble-t-il pas viable? Voilà. Maintenant, lorsque le modèle économique n'est pas viable, voilà, ça pose problème. Voilà, donc, bon, c'est vrai que l'État, c'est normal, peut venir de notre... Parce que aussi, la presse a son importance dans une démocratie. Complètement. Voilà. Donc, rien que par le rôle de service public qu'effectue la presse, l'État devrait pouvoir assister ses organes de presse. Absolument. Voilà. Mais, bon, ils le font, effectivement, par l'aide à la presse, sauf que, voilà... comment dire, les critères de partage aussi diffèrent, parce que ça devrait être public. C'est ça. Voilà, ça devrait être public, ça devrait, voilà, parce que là, il n'y a pas longtemps, voilà, donc j'avais même entendu parler d'un chanteur, bon, dont je ne citerai pas le nom, voilà, qui a, paraît-il, un site web. Voilà, voilà. Ça aussi, ça pose problème. Qui est journaliste? C'est voilà. Ça. Donc, c'est des choses voilà, sur lesquelles bon, les gens ont déjà fini de réfléchir. Ouais. Voilà. Sauf que aussi, voilà, dans la pratique, ça n'a pas été mis en pratique. C'est ça. Voilà. Donc, ça aussi, c'est problématique. Absolument. Voilà. Donc, du coup, voilà. Quand on a des moyens, on a des journalistes. Beaucoup d'hommes politiques ont été faits par la presse. Voilà. Comment est-ce qu'ils ont fait pour être faits par la presse? C'est clair. Il suffit, bon, véritablement d'avoir quelques moyens financiers. Voilà. Et c'est ce qui est dommage. Voilà. Mais bon, en tout état de cause, bon, Babacar Nguem perd de l'estime. Voilà. Il ne sort pas grandi, il ne peut pas sortir grandi de cette affaire. Voilà. Parce que lui, par exemple, on nous apprenait qu'il a débuté avec 60 000 francs. Oui. Voilà. De 60 000 francs à devenir milliardaire, ça impose le respect. Absolument. Voilà. Maintenant, il ne faudrait pas qu'après cela, il oublie de là où il vient. Parce que la qualité de ses ennemis détermine aussi la qualité de la personne. Voilà. Oui. Donc, lorsqu'on lui pose la question, qui sont vos ennemis présentement, on se dit que c'est de pauvres paysans de Nengler, ça nuit véritablement à son image. Ah oui. Voilà. Ah oui. Parce que c'est des gens que lui devrait aider à aller de l'avant. Exactement. Voilà. Mais exactement. Bon, malheureusement, c'est... Bon, on voit aussi que le monsieur est un entrepreneur. Bon. Mais bon, l'éthique aussi est importante. Et puis voilà. J'ai vu aussi... Voilà, maintenant, juste pour juste, terminer, et donc d'un mot sur l'affaire Babacar Nguem, j'ai trouvé aussi, et je ne sais pas ce que tu en penses, au début, très humble en rappelant son parcours, mais vers la fin, un peu, comment on dit ça, un peu arrogant, un peu suffisant, qui écrase un peu les gens avec sa faconde, je suis un tel. J'ai trouvé un peu l'exercice dommage, en tout cas pour le leader qu'il il symbolisait. Voilà, mais je te laisse poursuivre. Bon, tu as fait bon, c'est vrai que bon, je ne vais pas dire que les gens changent parce que je ne le connaissais pas auparavant. Mmh. Voilà. Mais c'est une image différente de celle que nous attendions de lui. Voilà. Donc on attendait, c'est vrai que bon, c'est un modèle de réussite économique, mais on attendait aussi un père de famille. Voilà. Donc on attendait quelqu'un bon, avec des scrupules. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais malheureusement, l'image qu'il nous laisse est vraiment différente de celle que nous avions envers lui. Et c'est ce que je dis souvent, bon, malheureusement, il vient allonger cette liste dont je parle souvent, c'est avec ces géants qui finissent par être atteints de nanisme. Exactement. Voilà, bon, donc, malheureusement, il entre dans ce triste lot. Oui. Voilà, et c'est bien regrettable. Une idole est morte. Et c'est bien regrettable. Voilà. Maintenant, pour terminer, vas-y. Donc je vais juste parler de la COVID. Mmh. Voilà, juste pour dire que la gestion a été calamiteuse. Mmh. La communication a été ratée et ce depuis le début. Voilà, les populations n'ont réellement pas compris en fait le discours que devait se leur servir l'État. Voilà, on a vu par exemple le ministère des Transports voilà, qui nous sort chaque semaine un nouvel arrêté qui compte briser le prédit. Vous venez. Voilà, vous venez le remplacer. Il en a été de même avec le ministère de l'Intérieur. Oui. Voilà. Finalement, on ne savait même plus à quel sien se vouer.
Voilà. Et malheureusement, de guerre lasse, les populations ont appliqué, l'État avec. Absolument. Malheureusement, l'État avec. Maintenant, c'est du chacun pour soi, du pour tous. Absolument. Voilà. Parce qu'en fait, il y a eu une incohérence totale dans la communication et dans la manière de faire de l'État. Avec 8 cas, 0 mort, on prend des mesures draconiennes. Voilà. Au début, bon, je pensais que c'était... Moi, j'étais convaincu par ces mesures au début. Moi aussi. Voilà. Mais lorsqu'on revient 3 mois après et que le président de la République nous fait savoir qu'il va falloir vivre avec le virus, il nous fait savoir que le virus peut rester jusqu'au mois d'août ou de septembre. En fait, je vous dis qu'on a un État. Avant de prendre les mesures à l'entame, le président aurait dû s'assurer de certaines choses. Absolument. Quel serait l'impact de cette pandémie dans l'économie nationale? Est-ce que l'économie nationale sénégalaise peut supporter certaines restrictions pendant un certain nombre de temps? Absolument. Véritablement, non. Donc, il aurait dû, en amont, s'assurer de cela. Donc, si par exemple, au début, on nous avait demandé de faire juste respecter les mesures barrières et autres, l'impact économique qu'on a aujourd'hui ne se serait pas ressenti. Non, c'est clair. Malheureusement, on nous a demandé de rester chez nous. Bon, voilà. Mauvais message d'ailleurs. Et revenir pour la suite pour dire que véritablement, voilà. Donc, c'est une contradiction et les gens n'ont pas compris. Et finalement, véritablement, sortez dans Dakar, allez dans la banlieue, bon, et voilà. Vous verrez que les gens, plus personne ne respecte ces mesures de barrière. C'est ça. Voilà, les gens se saluent, les gens ne portent pas des masques, les gens se regroupent. Oui. Voilà. Et ce qui est voilà. Donc, on n'est pas surpris par la situation actuelle. Et si nous nous prenons garde, elle risque de s'empirer. Absolument. Voilà. Voilà. Donc, bon, la chance que nous avons, c'est que nous avons une population relativement jeune. Oui. Ça, c'est la chance que nous avons. Voilà. Mais si nous nous faisons garde, comme je disais tantôt, nous risquons de perdre beaucoup de nos aînés et beaucoup de parmi nous qui ont aussi des maladies chroniques, nous risquons de les perdre. Voilà. C'est ça. Bon, c'est regrettable. Et il y a beaucoup d'inconnus, c'est intéressant, mais je vais prendre ce que tu dis justement comme conclusion de tout ça. Je pense que les paramètres qui organisent le déconfinement ne sont pas très bien connus de ceux qui nous dirigent. Et qu'ils font le choix, justement, en face de leur inaptitude scientifique, de remplacer par une stratégie purement basée sur l'économie. En disant, derrière l'argent, il y a quand même du rationnel. On trouvera un rationnel économique, même si on est incapable scientifiquement de gérer ça. Alors que c'est possible, et scientifiquement, et techniquement, et l'état des connaissances actuelles permet de bâtir une stratégie qui fasse du sens. Bon, on aura essayé en tout cas au cours de ce live de les envisager. On verra si les prochains permettront de discuter différemment. En tout cas, je te remercie, Alune Badara, pour le temps que tu as pris et de ta grande patience, hein, parce que je t'ai pris, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Et je rappelle à tous les autres que demain, c'est le live en fait, sur la présidentielle aux États-Unis. Et que l'idée, en fait, c'est de permettre à tous ceux qui nous suivent de pouvoir se faire une religion sur les deux candidats et voir que, alors c'est mon point de vue, hein, que finalement, ceux qu'on croit être les meilleurs pour nous ne sont peut-être pas forcément les meilleurs pour nous. On en parlera demain. Et si tu es là, avec grand plaisir, on échangera dessus. Je te laisse dire au revoir à nos téléspectateurs. Et voilà, merci vraiment. Voilà, merci à tout le monde. Ok, allez, merci beaucoup. Voilà. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à toi aussi. Hein. Merci. Allez, merci Maurice.